Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Il est 10h, je viens de déposer Léo à l'école. Ce matin il avait orthophoniste et j'ai pris une bourrasque de vent. Ma coupe, alors déjà qu'en règle générale c'est ni fait ni à faire, mais alors là c'est coton. Je suis avec Little Oli qui est juste derrière et nous allons faire 2-3 petites courses. Vraiment pas grand chose, mais j'aimerais faire une tarte aux pommes et je n'ai pas de pâte feuilletée. Il me manque aussi, je sais pas, de l'adoucissant, enfin 2-3 petits trucs, mais vraiment des bricoles. Donc on va aller faire des petites emplettes et je vais juste faire un petit crochet chez Action. Normalement juste pour trouver 2-3 petites activités puisqu'on s'en va en vacances ce week-end et j'aimerais trouver 2-3 petites activités peut-être pour la voiture, pour les enfants. Mais comme d'habitude vous connaissez mon souci avec Action, j'y vais pour un truc et je repars toujours avec un cabas avec un milliard de choses à l'intérieur. Ce matin c'est soleil plein, ça fait plaisir mais il fait quand même froid, il y a du vent et tout. Mais voilà, on va pas se plaindre. En tout cas c'est parti pour une nouvelle journée de vlog ensemble et let's go! Bon, nous voilà rentrés de course, ça y est. Alors, on a été chez Action faire un petit tour. Je voulais acheter des activités pour les enfants, je n'ai pas du tout acheté ça. Et on a été chez Carouf faire un petit réapprovisionnement de ce qui nous manquait. Les artisans sont juste là, dans la cage d'escalier, donc vous risquez de peut-être les apercevoir, les entendre. Et plus, parce que ma mère m'appelle, c'est l'appel du matin. Allô? Alors, je vous le disais, chez Carrefour, j'ai pas pris grand-chose. J'ai pris un rôti de bœuf, comme ça, qui était en promo. J'ai profité du truc à consommer rapidement. Il y avait des crêpes waouh, saveur choco-noisette. J'ai également pris plusieurs petites danettes à la vanille, de la mozzarella et deux pâtes feuilletées. C'est tout pour ce qui est de Carrefour. Du coup, pour Action, je vais vous le montrer dans la chambre de Léo. Ça sera peut-être un peu plus silencieux. Bon, alors, c'est vraiment une installation un petit peu genre... Bonjour, j'ai la crue de Léo juste ici. Bonjour, j'ai Olivia qui fait du lama. C'est très très rudimentaire. Alors chez Action, je vous disais que j'avais été là-bas pour justement trouver des petits trucs pour partir en vacances, pour occuper les enfants dans la voiture. Là-bas, s'il pleut et tout, en fait, on part à l'île de Ré pendant une semaine. Et en fait, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout acheté ça. Et comme je vous le disais tout à l'heure, bah, j'ai acheté plein d'autres choses. A commencer par de l'eau de Javel. Voilà, je n'en avais plus et pour moi c'est essentiel pour nettoyer notamment les sanitaires. Ensuite, j'ai pris pour le salon, je voulais changer nos housses. On a deux petits coussins et j'aimais bien ces petites housses là. Elles sont beige avec des petits froufrous noirs. Donc je vais les mettre à laver et je verrai ce que ça donne. Je sais pas si je suis fan du côté graphique comme ça ou pas. Je pense qu'on fera peut-être un test tout à l'heure sur le canapé avant que je les mette à laver pour voir ce que ça donne. On regardera ça ensemble, quoique je suis pas sûre que ça rende grand chose parce que quand je suis rentrée chez moi, il y a des bâches, tout est bâché. Tout est bâché, ils ont cassé le mur et tout aujourd'hui, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je suis trop contente. Ensuite, j'ai repris ce parfum de linge là, cet adoucissant. C'est pas un adoucissant, c'est un parfum de linge qui sent extrêmement bon. Je n'en avais plus, donc bah, j'en ai pris. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'en ai pris qu'un. Clairement, j'aurais dû en prendre deux. Ensuite, j'ai pris les petits bâtonnets comme ça avec du beurre de cacahuète et du sel et tout. C'est une tuerie intersidérale. C'est Aurélie qui en avait parlé. D'ailleurs, ça aussi, c'était Aurélie. Aurélie, tu m'influences beaucoup trop. Et ce truc-là, c'est un délice, un régal. J'adore. Clairement, j'ouvre le paquet, je mange le paquet. Voilà, j'adore ça. Bon, en ce moment, vous l'aurez compris, vous l'aurez vu, etc. On a beaucoup de travaux à la maison. Du coup, j'ai racheté des gobelets en plastique parce que pour servir les cafés tout au long de la journée aux artisans, c'est bien pratique d'en avoir. Alors, je vous dis qu'on part en vacances, oui, mais on part sans le père Dadou parce que pendant que je pars avec les enfants, père Dadou va s'atteler aux peintures et tout qu'il y a là-haut. J'ai un peu le cœur, voilà, le cœur chamallow de me dire que lui va rester bosser et que nous, on va partir en vacances. On y a longtemps réfléchi et on s'est dit que c'était bien plus pratique de faire des travaux sans avoir les petits à la maison parce que bah, déjà, les peintures, voilà, c'est pas, on peut pas le faire avec eux. S'ils commencent à poser le parquet, c'est compliqué parce qu'eux, ils dorment. Enfin voilà, donc du coup, on a pris cette décision-là de partir nous trois sans lui et que lui reste seul à faire les travaux. Vraiment, je culpabilise trop. Bref, on a pris, enfin j'ai acheté du coup des bâches pour protéger non pas le sol parce qu'on va peindre avant de poser le parquet, mais en fait pour protéger notamment l'escalier et l'arrivée de l'escalier, là où on a déjà notre parquet dans notre salon pour éviter d'avoir des taches de peinture dessus. Et en plus, ces bâches-là chez Action sont vendues 49 centimes je crois. Bon, alors ça, j'ai pris des rubinos là parce que j'adore ça et ce soir c'est Koh-Lanta et je me dis que devant Koh-Lanta bah, je vais sûrement avoir envie d'en manger.
Ensuite, j'ai trouvé ça dans les promos de la semaine. C'est un petit pyjama short avec, vous voyez, des engins de chantier. Donc devinez quoi, j'en ai pris un pour mon nounou, sauf que là c'est 110-116 et je crois que c'est 1000 fois trop grand. Léo fait 104 cm. Mais je me dis que bon, pour un pyjama, si c'est un peu grand, c'est peut-être pas gênant. On verra tout à l'heure, je lui essaierai quand il rentrera. Et voilà, bah, en gros ça donne ce petit pyjama là. Je trouvais ça assez mignon et je l'ai payé 3,50. Et je sais surtout que sur ce thème là, ça va forcément lui plaire. Ensuite, j'ai repris un bulldozer parce que le mien, en fait, commence à s'effacer à force de l'utiliser et de le laver. Donc, j'ai dû en racheter un. C'est tout bête, hein. L'autre n'est pas cassé, mais j'arrive plus à voir les grammages et tout. Donc, j'ai dû en reprendre un. Ensuite, j'ai acheté 2 paquets de sel pour notre lave-vaisselle. Ça tombait d'ailleurs très bien puisque ce matin, j'ai lancé un lave-vaisselle et le sel s'est allumé. Donc, il faut que j'en remette. Et voilà, du coup, j'en remettrai tout à l'heure. Je vous disais que j'utilisais de la javel pour nettoyer les sanitaires, les toilettes, tout ça. Donc, j'ai pris des petites pastilles comme ça que je laisse en fait au fond de la cuvette et ça permet de désinfecter, etc. Et pour finir, chez Action, j'ai acheté ça, un pistolet à bulles. Alors il en a eu un à Pâques, Léo, mais c'en est un où vous savez par contre il faut tremper le pistolet et ensuite appuyer. Et là pour le coup tu fisses le bordel là-dessus et t'appuies et ça sort en continu. Donc ça, je sais que ça va trop les éclater quand je vais en faire. Et ils vont kiffer. Voilà, et c'était pareil dans la semaine Action. Je crois que je l'ai payé 1,50, un truc comme ça. Voilà pour ce qui est des emplettes de chez Action. Il faut que j'aille... J'étais en course et j'ai oublié un truc. Enfin, j'ai oublié de m'arrêter à un endroit. À la banque, très précisément. Donc il faut que je retourne à la banque. Et ensuite, je vais essayer de vous montrer un peu l'avancée des travaux. Mais là, c'est comment vous dire que... C'est plus baraque, c'est Tchernobyl. Voilà, il y en a partout, il y a des bâches partout. Je sais pas trop comment on va manger ce midi avec Oli. Mais ça va pour le coup. On a des restes, donc j'ai juste à mettre au micro-ondes. Heureusement, en fait, que j'avais gardé des restes comme ça. C'est plus simple, j'ai rien à cuisiner. Et puis, mon idée de tarte aux pommes, je vais peut-être la reculer un peu à tout à l'heure. On verra en fonction de l'évolution des travaux. Voilà, bon, je vais ranger tout ça. Et puis je vous reprends un peu plus tard. Et me voilà reclus dans la chambre de Nounou. Bon, Oli est partie à la sieste. On a mangé, enfin elle a pas vraiment mangé. Elle a pas mangé grand chose. J'ai l'impression que les dents travaillent encore pas mal. Je vais aller mettre les petites housses de coussin. Comme ça on va regarder ce que ça donne ensemble. Et ensuite je vais me remonter les manches pour nettoyer la salle de bain. Bon, très clairement j'essaye un peu d'être dans les pièces où je ne gêne pas les artisans, où il n'y a pas forcément énormément de bruit et tout. Oli, comme d'hab, ça ne la gêne vraiment pas pour dormir. Là elle fait un gros roupillou et puis moi j'en profite pour avancer à côté. Bon, je viens d'installer les nouvelles housses pour les petits coussins sur le canapé. Je suis pas sûre du résultat. Bon, voilà ce que ça donne. J'aime bien hein, mais je sais pas, faut peut-être que mon œil s'habitue, donc je vais les laisser un petit peu et je vais voir, mais je sais pas, j'ai un doute. Avant on avait ces housses là qui sont donc en genre de velours marron tout uni, et je pense qu'il faut que mon œil s'habitue un petit peu à voir des graphismes comme ça très contrasté noir et blanc. Donc je vais voir. Pour l'instant je vais les laisser et puis ce soir je les mettrai à laver pour les laver. Voilà, merci Lulu. Mais comme ça me permettra d'avoir un peu plus de recul et de voir si ça me plaît ou pas tout au long de la journée. On verra. Je sais pas trop, pour l'instant je suis pas convaincue. Oh, ça y est, la salle de bain est faite. Je suis accompagnée de Dame Socket qui s'est reclue elle aussi parce que Socket elle a peur des travaux autant que Chou, elle reste dans son panier dans le salon. Mais Socket elle est un peu perturbée. Bon, ça y est, la salle de bain est faite, une bonne chose de faite justement. Oh, comme par hasard, tac, voilà. J'aimerais vous poser là si c'est possible, ouais c'est à peu près jouable. Donc la salle de bain c'est fait, donc ça c'est cool. J'ai également nettoyé les toilettes, voilà. Au moins il y a 2 pièces qui sont épargnées de la poussière et tout et qui sont propres. La chambre de Léo aussi, donc ça fait 3 pièces. La chambre de lit, il faudra quand même que je passe un petit coup d'aspi et un petit coup de serpillière parce que ce matin elle a joué, donc elle a été dans le salon puis après elle retourne dans sa chambre et tout. Je pouvais pas l'empêcher de vagabonder hein, de toute façon. C'est pas grave, je repasserai vite fait un petit coup tout à l'heure. Mais là je viens de recevoir un colis, du coup on va ouvrir ça ensemble. Je pense savoir ce que c'est. Oui, ce quête. Je pense savoir ce que c'est. C'est une commande que j'ai passée sur Choose. Il y avait une vente pioline, je sais plus du tout. C'est un truc, en gros, c'est des parfums pour Oli. Vous savez quoi, je vais l'ouvrir. Ça sera plus simple et plus parlant pour vous. Alors, tadam, c'est un colis. Est-ce que c'est ça? C'est pas ça? Ah si, c'est ça. La marque Poupon. Et la marque Poupon, en fait, je connaissais déjà parce que j'avais déjà acheté la petite eau de senteur pour Olivia et j'avais beaucoup aimé. Et Oli, en règle générale, elle utilise les parfums de chez Jacadi et là j'en ai pas commandé. J'avoue que j'arrive à la fin de son parfum et du coup je me suis dit que j'allais reprendre celui-ci en attendant parce que vraiment j'avais bien aimé. Alors j'ai également pris mais je voyais ça en plus grand, mais bon c'est pas grave, c'est parfait pour partir en voyage justement. J'ai pris le gel lavant ultra doux qui sent
normalement l'abricot, donc c'est un petit flacon comme ça, et il y a 100 ml. Jamais j'aurais pensé qu'il y avait 100 ml de contenance là-dedans. Et j'ai pris également l'eau nettoyante à l'aloe vera bio, et pareil c'est un format 100 ml. Donc ça, autant vous dire que pour partir à l'île de Ré, c'est parfait, parce que c'est les formats idéaux pour les vacances. Et le petit parfum qui était donc l'objet initial de ma commande, donc l'eau de senteur adaptée dès la naissance, il n'y a pas d'alcool ni rien là-dedans. Il se présente comme ceci, voilà. Et franchement, l'odeur, ça sent très très bon. D'ailleurs, je vais m'en cheater juste pour... Ah ouais, j'aime trop, ça sent le bébé. Oh, j'adore, j'aime trop. Voilà, donc trop contente de cette petite commande. Voilà pour ce qui est du petit colis reçu. Je vais tout mettre à la poubelle parce que vous voyez, le carton est plein de... Vous savez, ce genre de truc que les chats adorent attraper et foutre partout. Franchement, très cool, très très cool. Les amis, le mur est cassé. Les artisans viennent de partir. Il est 16h05. Je m'active pour finir de laver par terre pendant que Colis est encore dans son lit et il termine sa sieste. Il y a Socket qui, comme par hasard, est derrière la porte, décide de gratter à ce moment-là. Voilà, le mur est cassé, regardez, tada tada, on voit notre escalier qui monte et tout. Ah, je suis contente parce que vraiment ça donne de la profondeur à la pièce et tout. Et je trouve que ça apporte du cachet, c'est chaleureux, c'est... Enfin voilà, j'aime beaucoup, franchement je regrette pas du tout, c'est trop cool, c'est vraiment trop cool. Alors ma maison était quand même en mode Tchernobyl, mais j'ai trouvé le temps de faire une petite tarte aux pommes. Voilà, qui vient tout juste de terminer, donc de terminer de cuire, donc je la laisse dans le four. Et moi, j'attends ma petite tata qui va venir à la maison et on va aller chercher Léo ensemble. Ensuite, elle prendra le relais pour que je puisse aller à la danse le temps que David rentre et tout. Donc voilà, ah bah là voilà, je viens de voir sa voiture passer. Bah donc je vais aller l'accueillir et puis voilà, donc petite après-midi quand même productive parce que j'ai pu nettoyer et tout en temps et en heure avant que Léo ne rentre de l'école et que Oli se réveille, et ça c'est chouette. Je viens de rentrer de la danse. Enfin de rentrer, oui et non. Je suis rentrée il y a une petite demi-heure. Ouais, il y a une demi-heure, les enfants avaient déjà mangé. David avait eu le temps de nettoyer toute la cuisine. Du coup, bah là, les enfants sont couchés. Oli a eu un petit chagrin au moment du coucher. Léo aussi, mais parce que lui était très fatigué, je crois, aujourd'hui. Vraiment, on a tiré sur la corde. Il était vraiment, vraiment fatigué. Et du coup, bah je crois à peine la porte de sa chambre fermée qu'il dormait déjà. Bon, la danse, c'était cool, mais douloureux. Puisque, bah en fait, je me suis fait tomber une bûche sur un de mes orteils la semaine dernière et je pense que je me suis cassé l'orteil. Je les ai à peu près tous cassés déjà, mais là j'avoue que je déguste, c'est le petit orteil, et j'avoue que ça me démonte. Et alors là, autant vous dire que faire certains tours ou prendre appui ou des sauts et bah ça fait mal, ça fait mal. Voilà, j'ai un peu dégusté, mais ça m'a fait du bien d'y aller aussi. Et là pour l'heure, pour moi, et bien je vais me faire une petite salade composée comme tous les mardis soirs que j'aime. J'adore manger ma petite salade du mardi après la danse. On va donc avoir concombre, tomate cerise, mozza bien évidemment, et ma belle-mère nous a ramené ça dimanche mais on les a pas mangés, donc il y a des surimi, et je me serais bien mis peut-être deux œufs durs ou des lentilles avec, mais voilà, je vais me faire ma petite salade composée. J'adore manger ça, c'est vraiment mon repas préf, je crois. Et voilà, donc je vais me régaler tranquillou devant la télé. Et puis en plus, en dessert, j'ai de la tarte aux pommes, mais ma tarte aux pommes, un régal. Tout à l'heure, on en a mangé avec ma tata, mais ça m'a fait plaisir de manger ma tarte aux pommes. Genre, ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas mangé et je l'ai trouvée super bonne. Pour une fois, j'ai pas raté quelque chose en cuisine. C'est à noter dans les annales. Ah, je vous retrouve, j'ai plus trop la même tête. Hein. Bon, en même temps, tout à l'heure, c'était franchement pas folichon déjà. Je sors de la douche, je viens de me faire ma piqûre. J'ai la flemme d'avoir les symptômes post-piqûre. Parce que je sais que demain, je vais avoir mal à la tête, je vais être fatiguée, je vais être tout ça, et... J'espère déjà que la nuit se passera bien quand même. Mais il faut ce qu'il faut. Donc, ben voilà, rendez-vous dans un mois pour les prochaines injections. Pour l'heure, je viens donc de prendre ma douche, de me piquer. J'ai étendu une lessive. Je suis devant la télé tranquille. Et là, vous savez, je suis en train de tester un truc. Collaboration ou pas, j'en sais rien pour l'instant. Je vous en parlerai après tous mes tests. Parce que comme d'hab, je teste tout avant de vous parler de quoi que ce soit. Et je vous donne un avis, un retour. Je vais me faire une petite séance de LED sur le visage de masque. Enfin bref, vous verrez ça en temps voulu si je viens à vous en parler davantage. Donc je vais me faire ça et après je vais me pioter peinard parce que je suis KO. Voilà, donc ça sera la fin de ce petit vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos et comme d'habitude, je vous envoie plein de gros bisous. Ciao ciao.